Ni ha, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes, je suis ton pote de Chine ou le blogueur le plus débridé du web. Bon, maintenant que t'auras fini de te foutre un petit peu de ma gueule, on va faire un petit réflexif de cette année. Donc cette année 2013 aura été pour nous bah, certainement l'arrivée du JT Geek. En fait, on a décidé de changer notre ancien blog qui s'appelait bah, Siphone.fr en JT Geek, en fait, comme en NBA, en fait, on a décidé de passer pro et enfin de passer au level supérieur. Donc on a complètement changé le design, on a mis un pan geek, on a mis un logo, on a mis des choses comme ça. Et en fait, Siphone.fr est devenu le JT Geek que vous connaissez à présent sur jtgeek.com. Le JT Geek, en fait, ça aurait été surtout, avant tout, une rencontre avec mon pan geek, avec mon pan geek, c'est mon Stradivarius, en fait, hein, sans qui, c'est lui qui me soutient, qui m'encourage, qui me supporte, qui m'aide dans mes idées et tout. Et je peux vous avouer que si j'étais pas marié, lui non plus, on aurait peut-être pu se paxer quand même, hein, à force. Ces changements ont aussi été bah, l'occasion de changer les équipes, parce qu'en fait, bah, l'ancienne équipe ont décidé de me laisser pour vivre leur propre aventure. Donc en fait, bah, on a changé toute l'équipe, alors les rédacteurs, les modérateurs, les tout. Et en fait, bah, on a fait une bonne affaire, parce que carrément, l'équipe, elle est quand même vachement mieux. Donc on est des Français, et comme les Français, bah, on roule au diesel. Donc il nous aura fallu 9 mois pour qu'on se mette un petit peu en place, qu'on regarde, qu'on essaie des trucs, qu'on teste. Donc c'est vrai que bah, là, les gens autour, ils nous regardaient en disant, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a beaucoup qui nous ont vu évoluer, et ils nous ont vu mettre en place des choses. Alors il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais en fait on lâche pas l'affaire, parce qu'en fait il faut bien essayer pas mal de choses pour trouver les choses qui marchent. Et aujourd'hui on a quelques formules et quelques solutions qui marchent plutôt bien, et ce qui permettra d'enchaîner avec cette année 2014, avec l'opération Marave. En fait, les autres nous ont bien regardé, sont bien foutus de notre gueule en disant nous aussi on peut faire pareil et tout. Donc 2014 marquera aussi le début de l'opération Marave que vous pourrez suivre. Donc vous avez vu le lancement, on a déjà commencé avec l'opération gagner un smartphone par mois, et puis bah, l'opération sera officiellement lancée le 26 décembre, soit le lendemain de Noël. Mais je suis sûr que vous allez être nombreux à regarder ce post le 26 décembre. Le JT Geek ou Anguille Shenzhen, c'est mon aventure, et c'est aussi un petit peu la vôtre, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre en fait sur le blog JT Geek et à rejoindre la grande famille des Geeks Chanadict, parce que c'est le nom qu'on a décidé en fait de vous donner. Vous n'êtes pas des membres, vous êtes des membres de la famille Chanadict. Cette aventure, et ben cette aventure, elle est surtout grâce à vous qui prenez le temps de venir nous voir tous les jours, qui prenez le temps de laisser un commentaire, qui prenez le temps de participer à tous nos jeux, à toutes nos tentatives, qui allez sur YouTube, qui regardez mes vidéos, et qui nous encouragez, qui mettez un pouce vert, qui faites un share, et qui par exemple mettez un pouce comme ça sur les articles que nous font nos rédacteurs. Et le JT Geek, et ben c'est certainement mon aventure, mais c'est aussi la vôtre, parce que sans vous, on n'est rien. Donc, pour tout ce que vous faites, eh ben, du fond du cœur, un vrai et un grand merci, parce que le JT Geek, cette aventure, elle existe grâce à vous, parce qu'en fait, si on était quatre à regarder, moi, ma mère, mon frère, et mes deux alcoolites, là, eh ben, il n'y aurait pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, l'aventure ne vaut pas ce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc, on va faire un petit merci. On va commencer par remercier bah, les rédacteurs du JT Geek. Donc, il y aura bah, Pangeek, normalement, je veux dire, top numéro 1. On va remercier Maître Pouce aussi pour la rédaction de ses articles, hein, qui sont toujours de très très bonne qualité. Oups, là, il y avait des petits oui, chapeaux, je veux dire, hein, quand on prend un chapeau à je sais pas combien, on a payé ça. Alors attendez, on a payé le costume 25 RMB, ça fait 3,50 €. Donc il fallait pas s'attendre non plus à quelque chose d'exceptionnel. On va remercier, bon, Maître Pouce aux articles, on va remercier aussi JT Geek Mobile, qui nous a rejoint en fait dernièrement, et qui ne le sait pas encore, mais qui aura un rôle très important l'année prochaine. On lui garde un petit peu la surprise parce qu'il faut qu'on finalise ça. Il y croit pas, mais ça va venir. T'impatientes pas. Ouais, je la sens. Je suis en train de perdre la boule. Alors, on va remercier aussi exactement tous ceux qui gèrent le forum. On pensera bien à Étienne, qui est l'administrateur. On pensera à Titou, à Souleweb, Souled62, à Vikento et à Benoît31, en fait, qui gère un petit peu notre forum d'une main de maître. Et qui, sans eux, en fait, on n'aurait pas un si bon support technique et une aussi grosse communauté, parce que vous êtes nombreux à venir également sur le forum. Ça me perturbe, ça. Alors, on va remercier aussi nos top posters, en fait, sur le blog JT Geek. En premier, Benoît31, encore lui, je veux dire, il marave tout le monde, lui, il a mis trop de commentaires. Donc, pour les nouveaux, ça va être dur, hein. Enfin, vraiment, il va falloir laisser un commentaire par poste si vous voulez les rattraper. Ludo, Tijam, Microbe69, Grégoire, Rodash et 700766. On remerciera aussi les équipes qui sont ici, qui soutiennent, et nos deux nouveaux managers, en fait, qui vont gérer un petit peu la boutique.
parce que sans eux, c'est vraiment une aide précieuse. Aux Chinois aussi qui bossent pour les paquets, pour les tests et tout, parce que, je veux dire, si j'ai commencé, j'étais tout seul. Aujourd'hui, on a besoin d'une équipe pour qu'il y ait plus de sérieux, pour qu'il y ait un meilleur SAV, pour qu'il y ait un meilleur suivi et qu'il y ait de meilleurs articles, parce que tout seul, on peut pas tout faire. Et enfin, merci à toi, oui, toi là, qui es en train de me regarder. Parce qu'en fait, si t'es en train de me regarder, bah, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Ça veut dire qu'en fait, t'es accro, t'es chanadique, que tu me regardes. Et ce que j'ai pas fait ça pour rien. Et que si tu kiffes ta race, eh ben, c'est que alors, on a bien travaillé cette année. Et si on te fait encore plus kiffer ta race l'année prochaine, eh ben, c'est qu'on va encore. C'est ce qu'on a prévu, en fait, sera encore mis en place. Donc, encore une fois, bah, merci à toi qui me regarde. Parce que bah, sans toi, tu sais, je peux te le dire au fond des yeux. Le JT Geek, ça serait pas aussi kiffant. Donc pour finir, au nom de toute la Sky Team et au nom de toute l'équipe du JT Geek, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et aussi une très très bonne année en 2014. J'espère vraiment qu'en fait cette année bah, vous fera autant kiffer que nous, on a envie de kiffer. Et bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bonne année, bonne santé, une très bonne année, bonne fête, mangez bien comme des gros, passez un bon réveillon et encore une fois... Allez, je vous kiffe tous. Allez, à 2014. Bye bye.